Cette cérémonie qui s'ouvre avec le parcours mémoriel et se conclut par la remise de deux drapeaux d'association mémorielle à deux jeunes élus ou de jeunes élèves de Levallois a la même symbolique. Transmettre aux jeunes générations la flamme du souvenir et cela pour les années à venir. C'est pour moi une source d'émotion légitime que de voir aboutir ce projet que j'ai eu le plaisir de conduire en votre nom, Monsieur le maire, avec votre soutien, l'implication de vos équipes et des contributeurs bénévoles mentionnés aujourd'hui. Un grand merci à tous. Monsieur le maire, permettez-moi de vous remettre le drapeau Rhin et Danube pour le Conseil communal des jeunes. Merci. Allez. Bon. Monsieur de Dieu, je vous remets ce drapeau mémoriel de l'association de la Fédération nationale des déportés internés, résistants et patriotes, pour qu'il puisse être remis à la garde au drapeau du collège Louis Berriot.
en cet instant de recueillement, souvenons-nous ensemble de tous ceux qui sont tombés pour la France, des tranchées de Verdun aux plaines de la Somme, des fjords de Narvik au Djebel d'Afrique, des rizières d'Indochine à la fournaise de Beyrouth, des neiges de Sarajevo à celle de Kaboul. Par nos convictions, par notre engagement et par notre action, nous devons perpétuer les principes pour lesquels des Français, militaires, mais aussi civils, se sont battus et pour lesquels ils furent si nombreux à mourir. Nous devons, pour toujours, faire nôtres les principes qui ont guidé nos aînés et continuer ainsi à donner à la France ce qui fait son humanisme, sa force, son honneur et sa fierté. Vive le Valois, vive la France, vive la République !